La parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, d'abord, je voudrais remercier Monsieur le rapporteur pour proposer cet article qui est important. Je pense que des milliers de Français partout dans nos circonscriptions attendent cette modification, cette avancée. Alors, on a parlé notamment, vous avez donné plusieurs exemples, vous-même et Madame la Ministre également. Je voudrais répondre à Madame Panot tout à l'heure, puisque on ne parle pas seulement des résidences principales et secondaires, d'où l'intérêt de votre amendement, mais on parle aussi des résidences occasionnelles. Et je voudrais donner l'exemple, puisque vous citez les prénoms, je suis aussi une députée de terrain. Moi, ils vont s'appeler Sandra, Michel, Pedro, Rachid, tout ce que vous voulez. En tout cas, ils n'habitent pas en France. Mais vous en avez des dizaines dans vos circonscriptions. Ils sont propriétaires d'appartements. Pourquoi ? Ou de logements ? Tout simplement parce qu'ils sont dans des pays dans lesquels, souvent, ils n'ont pas accès, et il faut se réjouir parce qu'en France, nous ne sommes pas dans ce cas-là, ils n'ont pas accès à une caisse de retraite. Et du coup, c'est leur capital retraite. Et c'est un logement qu'ils occupent de manière occasionnelle. Occasionnelle pourquoi ? Pour pouvoir revenir en France voir leurs parents malades, pour pouvoir revenir en France voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils sont attachés à un pays ailleurs. On n'a pas à en juger, c'est comme ça, c'est la vie, leur vie personnelle qui les a amenés là-bas. Ce ne sont pas des gens qui ont les poches pleines. J'ai beaucoup d'exemples de retraités qui ont des petites retraites et qui ont eu ce capital retraite en plus pour pouvoir les aider. Et donc, cet amendement ici nous permet d'avoir vraiment une avancée. Certes, Monsieur Aubert, on ne remplit pas toutes les cases que vous souhaiteriez, mais on n'est pas dans un effet de révolution, mais on est dans un effet d'évolution, on est même dans un effet, je dirais, de transformation, et c'est justement ce pourquoi nous avons été élus. Merci.